Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo lointaine, votre navigateur volait votre RAM et j'avais une solution pérenne. Bien aujourd'hui, cette solution, elle est de retour vu que cette vidéo est sponsorisée de nouveau par Opera GX, le navigateur fait pour les joueurs voulant utiliser tout le potentiel de leur PC. Bon, vous savez déjà que via GX Control, vous pouvez limiter l'utilisation de RAM et de puissance processeur du navigateur. Vous savez sûrement aussi que grâce à la sidebar, vous pouvez directement accéder à Twitch pour voir quand vos streamers préférés lancent leur live. Puis que dans la même sidebar, vous pouvez connecter Discord, Messenger, WhatsApp et pourquoi pas Instagram si ça vous chante. Enfin bon, ça m'empêche pas de mentionner tout ça rapidement, mais y a pas que ça dans Opera GX. Quand on a ses habitudes, c'est dur de faire le pas et de se lancer dans du changement. Genre moi, je serais pas forcément chaud pour abandonner mon freelancer dur pour un carac. Mais c'est pareil pour un navigateur. Si vous avez vos habitudes sur Chrome, que vous voulez changer, mais que ça vous dérange parce que vous avez plein d'extensions, mais là c'est quand même possible. Via un petit add-on, cette limitation s'envole. Je peux installer OneTab, YouTube Enhancer, RSI Compagnon et toutes les autres extensions que j'ai l'habitude d'utiliser. Avec cette fait, y a juste à importer tous les réglages, favoris et tout ça de Chrome ou de Firefox dans Opera GX, et tout sera présent pour une bonne transition. Avec tout ça, il n'y a plus qu'à se lancer un peu dans la personnalisation en essayant de choper, pourquoi pas, quelques fonds d'écran animés, et même activer le Dark Mode, forçant tous les sites où vous naviguez à passer en mode nuit. Moi qui adore ça et qui a les yeux qui explosent quand un site n'a pas de Dark Theme, je trouve ça fort plaisant. Si tout ça vous intéresse, le lien de téléchargement est bien sûr dans la description et aussi en commentaire épinglé. C'est gratuit donc je vous encourage fortement à au moins essayer. Si jamais vous tentez l'aventure et vous êtes convaincu, n'hésitez pas à balancer un hashtag TeamGX dans les commentaires, ça fera fort plaisir pour le référencement. Merci à Opera GX de sponsoriser cette vidéo, et maintenant, on peut commencer. Comme chaque année, Star Citizen évolue à son rythme plus ou moins rapide. Et quand tout se passe bien, on peut voir des changements majeurs s'incruster, perturbant fortement notre manière d'aborder l'alpha, tout en nous rapprochant de ce que sera Star Citizen une fois sorti. Un de ces changements qu'on devrait recevoir cette année, ça sera l'implémentation de l'inventaire personnel, externe et local. Si vous regardez mes vidéos de temps en temps, ça doit déjà vous dire quelque chose. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet lorsqu'un Calling All Dev était sorti pour nous présenter cet aspect du jeu. Donc si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller voir cette vidéo, mais sinon je peux toujours vous faire un résumé rapide. Normalement en 3.15, quand cette fonctionnalité sortira, l'inventaire infini de la MobiGlass disparaîtra. Nos possessions seront stockées dans différents lieux plutôt que dans un trou infini. Donc on pourra ranger des choses dans nos poches par exemple, c'est ce qu'on appelle l'inventaire personnel. Dans une caisse ou autre rangement du même type, c'est ce qui représente l'inventaire externe. Et pour terminer, dans une zone d'atterrissage ou un vaisseau ou des choses du genre. Ça, c'est l'inventaire local. Tous ces inventaires qu'on accédera de la même manière seront chargés de remplacer l'appli qu'on a actuellement dans la MobiGlass. C'est via ça qu'on s'équipera, qu'on rangera notre bordel et ainsi de suite. L'inventaire local, lui, sera temporaire. En gros, il prendra la place de ce qui deviendra plus tard l'inventaire physicalisé. Ce qui veut dire que dans l'alpha, on aura l'inventaire personnel, externe et local, et à la release, on aura l'inventaire personnel, externe et physique. Avec ces changements, notre manière de gérer et considérer nos possessions sera bien différente. Si on achète quelque chose, il faudra bien pouvoir le stocker quelque part, et ce quelque part ne se trouvera pas partout dans le verse. Par exemple, si j'achète un fusil, que je le stocke dans mon Hercule, et puis que je décide de partir autre part là où mon Hercule n'est pas rangé, bah j'aurai pas accès ni à mon Hercule, ni à ce qu'il y a stocké dedans, tout ce qui est le plus logique. À partir de là, il faudra que je pense à garder mon fusil d'assaut sur moi ou dans un vaisseau que j'utilise pour me déplacer pour pouvoir l'utiliser. Une autre conséquence de cette forme d'inventaire, c'est qu'il sera possible de perdre ses items. Si on meurt, on devrait pouvoir perdre ce qui était dans notre inventaire personnel. Si notre vaisseau explose, là aussi on devrait perdre ce qui était stocké dans l'inventaire local du vaisseau. Que ce soit des armes, des armures, des peluches, des photos secrètes du Crusader Jupiter, aucune limite à ce qu'on pourrait perdre à ce niveau-là, quoi. Dans le Calling All Dev fait à ce sujet, il était souligné que cette notion de perte sera importante dans Star Citizen, que c'est un élément qui nous donnera envie à l'avenir de ne pas mourir, de ne pas perdre notre vaisseau et ainsi de suite, parce qu'on n'aurait pas envie de perdre les items qu'on aura acquis au fil du temps. Je suis entièrement d'accord et perso c'est toujours comme ça que j'ai vu Star Citizen depuis qu'on connaît cette idée d'inventaire physicalisé. Mais j'ai le sentiment que si rien ne change, cet aspect ne sera pas véritablement présent dans l'alpha avec l'inventaire local. Alors arrêtez-moi si je me trompe, et vu que c'est une vidéo vous pouvez pas donc c'est à vous, mais pour avoir peur de perdre quelque chose, il faut qu'on assigne une certaine valeur dans ce quelque chose, qu'elle soit pécuniaire ou sentimentale. Genre j'ai pas envie de perdre mon mug Black Mesa parce que bah je l'aime bien, qu'il est pratique et tout ça, j'ai pas envie de perdre mon frigo parce que c'est quand même super pratique et puis c'est cher un frigo quoi, j'ai pas que ça à racheter, et j'ai pas non plus envie de perdre, je sais pas moi, mes bras parce que bah j'en ai besoin et que ça coûte sûrement un bras. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire ça des items qu'on achète dans Star Citizen actuellement? Bah personnellement, je dirais que non en fait. Je vois pas pourquoi je devrais avoir peur de perdre les armes, munitions et armures que je pourrais stocker dans mon vaisseau, alors qu'en quelques missions, je peux me racheter le tout par paquet de 10 comme si c'était du lait quoi. La suraccessibilité à tout ce qu'on achète dans SC, si on oublie les vaisseaux, ça nous empêche et nous empêchera de leur assigner une valeur. Et tant que c'est comme ça et si ça reste comme ça à l'avenir, alors oui, avec l'inventaire local, on aura l'aspect genre géographique de nos items, tu pourras pas accéder à 100% de ton inventaire tout le temps parce que ça sera rangé un peu partout, mais la peur de
de perdre des trucs, je sais pas, je perds une armure, je la rachète et puis voilà quoi. Heureusement, je pense qu'il y a quelques solutions. Une première possibilité, ça serait d'ajouter en jeu des items un peu plus exclusifs, on pourrait dire. Soit étant vendus plus cher, disponibles qu'à certains endroits extrêmement spécifiques, achetables pendant des périodes limitées, en récompense de mission, des récompenses de réputation et ainsi de suite. Il y a moyen d'imaginer des trucs quoi. Niveau faisabilité, il n'y aurait même pas vraiment besoin que CIG nous crée de nouveaux items. Parce que dans un sens, il y a toute une réserve d'items du genre qui existe déjà. Quand tu t'abonnes à Star Citizen, tu aides au financement du contenu vidéo lié au projet. Et en cadeau, chaque mois, tu reçois des petits bonus. Généralement des armes et armures au look un peu nouveau, qui ne se retrouvent pas forcément en vente libre directement dans le jeu. Une des phrases que j'ai souvent ressorties au fil du temps dans beaucoup de vidéos, c'est que tout ce qui est achetable en euros sera normalement achetable en jeu un jour. Et à ma connaissance, CIG n'est jamais revenu sur cette déclaration. Alors peut-être que ça serait intéressant de montrer que c'était pas du pipeau, et de peu à peu rendre disponibles les plus vieilles récompenses d'abonnement directement en jeu, permettant à tous les joueurs d'avoir moyen d'obtenir quelque chose de plus unique que les items de base. En soi, ça pourrait fonctionner, mais ça serait pas vraiment une solution ultime non plus. Parce que oui, il suffit de voir les armures de sub actuellement, ce genre d'équipement est plus varié, et en fonction des gens, vous pouvez trouver ça classe de ouf, ou peut-être pas du tout. Mais ces items n'offrent pas d'avantage majeur, ou même pas d'avantage du tout, par rapport à ce qu'on peut acheter normalement dans le jeu. Que t'aies une P4 avec un skin spécial ou une P4 tout court, c'est une P4 à tir tout pareil. Donc même si on avait tout ça d'accessible directement en jeu, donnant des items avec plus de valeur sentimentale ou des trucs comme ça, mais les joueurs voulant pas perdre leurs belles armures pourraient toujours s'équiper pour pas cher à chaque fois qu'ils tentent des missions un peu plus risquées. Alors la solution pour régler ce problème, elle est un peu toute conne d'après moi, et je sais pas s'il y aura beaucoup de gens d'accord, mais il faudrait juste augmenter le prix des armes, des armures et des munitions. Si acheter un fusil d'assaut de base avec 4 ou 5 chargeurs, ça reviendrait à genre 70 000, 80 000 AUEC, et qu'une armure moyenne axée un peu combat et donc pas civil te coûte, je sais pas, 100 000 AUEC, mais là peut-être qu'on réfléchirait à deux fois avant de stocker toutes nos armures dans un seul vaisseau alors qu'il risque d'exploser quoi. On pourrait bien sûr imaginer des différences de prix en fonction de quel type d'arme, d'armure tu décides d'acheter, genre si elle a une couleur classique elle est peut-être moins chère, si elle est en rose fluo vu que c'est moins commun elle est plus chère, il y aurait de quoi faire. Et bien sûr que les prix que je vous présente ne sont pas de valeur parfaite, mais en soi je pense que ça serait un potentiel bon point de départ. Depuis le début je parle de valeur sentimentale ou pécuniaire, et bah pour régler le problème de valeur pécuniaire t'augmentes le prix, c'est aussi simple que ça quoi. Le double effet qui se coule d'un changement du genre, ça serait la nouvelle viabilité du looting. Si s'équiper coûte beaucoup plus cher, peut-être que les joueurs seraient plus encouragés à trouver du matériel directement sur le terrain, histoire d'économiser un peu au départ. Et à ce niveau, les missions d'avant-poste souterrain avec plein de PNJ à tuer seraient une manière de faire des courses. Mais là aussi, il faudrait pouvoir équilibrer le truc. Vu la qualité des PNJ actuellement, s'équiper ça serait pas dur et tu pourrais facilement accumuler des tonnes d'armes et te retrouver avec le problème initial. À ce niveau, il y a deux éléments qui viendront et permettront de gérer tout ça. Premièrement, c'est le serveur meshing. Si les PNJ sont nuls, c'est surtout parce que les serveurs le sont aussi. Rien que le meshing statique devrait permettre de régler le problème des PNJ en PLS. Les combats FPS seraient donc normalement moins simples. Le second point, ça serait aussi la notion de qualité et d'usure. On le sait, les composants et armes de vaisseau s'useront dans le temps, les rendant moins fonctionnels et forçant un remplacement au bout d'un moment. Pour les armes à feu FPS, ce sera la même chose. À force d'utiliser une arme, même en l'entretenant, elle s'usera et perdra en efficacité. Ce qui veut dire que CIG pourrait complètement forcer certains PNJ à avoir des armes liées à leur niveau de compétence, quoi. Par exemple, si tu vas éliminer plein de pirates de seconde zone, leurs armes pourraient être complètement claquées au sol. Cette notion de loot, c'est d'ailleurs un chemin que CIG semble vouloir prendre. Si on va dans le Progress Tracker, on peut remarquer plusieurs fonctionnalités allant dans ce sens, avec les cartes loot génération T0 et T1, ainsi que la carte Selling. En gros, ce que cet ensemble nous raconte, c'est qu'à l'avenir, il y aura divers conteneurs disséminés dans le Verse. Ils seront peuplés de divers items que l'on pourra conserver ou aller directement vendre pour se faire un peu d'argent. Ça serait pareil pour les PNJ, on pourrait récupérer leur équipement, aller le vendre, et pourquoi pas fouiller leur sac à dos s'ils en ont, qui serait là aussi potentiellement rempli de bonnes choses. Tout ça mis ensemble nous donne quelque chose de très intéressant pour le futur de SC. Il y aura une grande liberté de choix en fait. Quand tu commences à jouer et que tu veux t'équiper, est-ce que tu tentes d'attaquer des gens qui sont eux suréquipés avec ton petit pistolet pour pouvoir voler leur stuff et économiser de la thune? Est-ce que tu décides de dépenser justement plein d'argent pour acheter du neuf directement? Ou pourquoi pas aller tuer quelques pirates incompétents, utiliser leurs armes musées pendant un certain temps et aller les vendre plus tard pour là acheter du neuf? Ou alors juste tenter de continuer à économiser comme ça quoi. Il y aurait plein de possibilités. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en introduisant une notion de choix un peu plus poussé dans ce domaine, bah ça devient plus facile de créer de la valeur pour tous ces items.
Si pour m'acheter ma custodienne toute neuve, j'ai dû faire plusieurs missions, vendre différents items, utiliser une P8 qui s'enraille et tout sur d'autres aventures, mais ouais, parlant d'aventure, il y a une aventure, il y a une histoire derrière cet item. Et cette simple arme toute neuve qui aujourd'hui n'a aucune valeur parce qu'on les achète par paquet de 10, là on aurait beaucoup plus, parce que étant donné qu'elle serait plus chère, il y aurait déjà une valeur pécuniaire, vu que j'aurais fait plein de missions, il y aurait une valeur temporelle, et en fonction du temps que j'arrive à l'utiliser, à la garder, tu pourrais avoir une valeur sentimentale qui se crée au fil du temps. Là, j'aurais vraiment pas envie de perdre cette custodienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inventaire local changera les choses. Comme je l'ai souligné, tout sera pas parfait directement, et il va sûrement falloir attendre une belle mise à jour de l'économie pour qu'on retrouve vraiment cette notion de valeur dans nos possessions, sans oublier que les joueurs n'auront pas forcément la même vision des choses. Mais les solutions sont là, et sont loin d'être irréalisables. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tout ça nous donnera, en espérant qu'on puisse avoir un début de réponse en 3.15, si l'inventaire local n'est pas repoussé. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce petit sujet vous aura plu. Merci bien sûr aux Coffure, Tipeur et SubTwitch pour le soutien financier, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Le mot de la fin, j'ai faim. J'ai justement très faim là en fait.